supporte l'épreuve, sa valeur ainsi reconnue, il recevra la couronne de vie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde vous déteste. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé fidèlement ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnifique page d'évangile dans saint Jean, où Jésus nous met, si vous voulez, sur le bon rail de la fidélité à lui, à sa parole. Nous sommes dans ce monde, mais sans être de ce monde. Et il nous a choisis justement en nous prenant dans le monde. Mais pour être dans ce monde, celle de la terre, lumière, nous n'appartenons pas à ce monde. Cela veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien nous devons être quand même cette petite flamme, cette petite lumière, et donner en même temps du goût dans ce monde qui se cherche aujourd'hui particulièrement, comme le Christ. Partout où il passait, il faisait le bien. Eh bien, le serviteur que nous sommes pas plus grands que lui, mais nous aussi devons être d'authentiques serviteurs, en acceptant bien sûr que le monde ne nous aime pas. Et comme dit Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Celui qui connaît Dieu, eh bien, il connaît l'amour, et à ce moment-là, il connaît Jésus-Christ, et il suit Jésus-Christ. Je pense que c'est la vie de tous ces martyrs. Ils étaient dans ce monde païen. Ils ont essayé de rester fidèles à cette lumière qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons renouveler nous aussi notre foi de chrétien. Ce n'est pas évident de vivre sa foi dans le monde. Mais nous savons aussi que notre existence trouvera son plein épanouissement dans l'éternité. Même avant Jésus-Christ, vous voyez, je pense à la première lecture, parce que le livre de la Sagesse a été écrit avant le Christ, même avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait cette idée de l'immortalité. Voilà. Donc, nous sommes faits pour une vie éternelle. Au jour de la visite du Seigneur, eh bien, nous aussi, nous resplendirons, comme tous les martyrs resplendissent dans l'éternité de Dieu. Alors demandons au Seigneur cette grâce de la fidélité, de continuer à mettre nos pas dans les pas du Christ, dans le monde dans lequel nous sommes, mais en sachant que dans ce monde-là, nous ne devons pas vivre comme des païens, selon l'expression de saint Paul, mais être cette petite flamme, ce grain de sel qui donne un petit peu de goût dans nos familles, au milieu de nos amis, dans le monde. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant de tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
lumière de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, enchanté mon passé, dans la nature de l'air, et parmi tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, qui souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et montra au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le Saint-Baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du mort et la vie du monde à venir. Amen. Et on va faire monter au bonheur éternel. Afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute-nous. Pour le Pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute-nous. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toutes vraies prières, écoute les supplications de ton Église. Et fait que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, y compris toutes les intentions personnelles que nous portons au fond de notre cœur aujourd'hui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous ne bougez pas, ce n'est qu'à la fin si vous voulez faire une offrande pour ceux qui s'occupent ici, vous ne faites pas maintenant, hein. Il va faire le chariot. Entre nous-mêmes, voici la vie qui renaît de nos cendres. Quelle est merveille de notre Dieu, Père du royaume, table de Dieu. Voici le Père, voici le Père.
Accorde-nous, Seigneur, de récolter dans la joie le fruit de nos prières. Permets qu'en célébrant les martyrs, nous imitions leur fermeté dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Un peu. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps, c'est prévu 35 minutes. Je viens de le voir maintenant. On pourrait peut-être faire une photo générale. Alors, vous pourrez vous mettre ici derrière aussi, autour de moi. Certains, les autres ici devant. Les plus petits devant, bien sûr, les plus grands derrière. Allez-y. Et pendant ce temps, Léon, tu te mettras parce que tu n'es pas grand, devant et après tu prendras. Le sacristain va se mettre à l'entrée de l'église. Allez dans la paix du Christ. S'il y en a qui veulent faire un petit geste, c'est pour ici, je pense. Merci à tous. Allez, vas-y.